La chose est simple, on est arrivé, on démarre par une belle vue de la Wii U. Je sais pas ce que ça donne réellement. On va peut-être faire un petit test, on va peut-être regarder ce que ça donne, on va peut-être jouer à certains jeux, on va peut-être voir les nouveautés, surtout les nouveautés pour pouvoir mieux répondre aux clients. On y va, c'est génial, on se fait que du plaisir. Et y a personne en fait. Depuis depuis ce qui s'est passé la dernière fois, le premier jour, une chose a été importante, c'est que le premier jour, ils ont annoncé qu'il y avait eu un genre d'émeute, et on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Le pas beaucoup de monde, il y a un peu de personnes, mais c'est pas la grande foule. Justement, ça va nous faire plaisir de pouvoir tester des choses, regarder, apprécier, prendre des photos, et puis qui sait, avoir des autographes. Allez, on y va. Voiture, un truc énorme devant nous, un petit bijou, Forza 5 va bientôt arriver, une bombe atomique. Moi j'aurais bien voulu être à l'intérieur. Allez. Je veux pas dire, mais théoriquement, dans la première version, elle avait les cheveux longs. Là, elle a les cheveux courts. Franchement, ça m'épanne. Comme quoi, dans le jeu vidéo, on a le droit à tout.